Avec Monsieur Morviez, qui va se présenter, qui va nous présenter, eh bien, ce qu'il a tout simplement le message qu'il a envie de nous faire passer. Et écoutez-le bien, c'est très intéressant. Donc bonsoir, donc je suis Olivier Morviez, le directeur d'Alto, les bus du réseau urbain d'Alençon. Ce soir, je vais vous présenter tout ce qu'on a mis en place. Comme vous savez, on est en période de Covid. Nous avons malheureusement perdu quelques clients et ces clients ont envie de les rassurer ce soir. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas resté les bras croisés, on a travaillé d'ailleurs toute cette période et on a mis des choses en place. On a mis quoi? On a mis des lingettes pour les conducteurs, pour désinfecter leur poste, des plexis pour les protéger. On leur fournit des masques. Et vous allez me dire, et nous? Eh bien, et vous? Vous avez du gel à disposition. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi désinfection complète de tous les véhicules. Tous les soirs, les 23 véhicules des bus Alto, plus les véhicules de service, sont nettoyés chaque soir. Ils sont nettoyés et désinfectés. Toutes les barres de contact, comme celle-ci, là où on touche, là où tout le monde touche, c'est désinfecté. Les fauteuils, les barres, tout ça, c'est désinfecté. Désinfecter, c'est pas simplement nettoyer. Nettoyer, c'est pour faire propre. Ça, il n'y a pas de souci, vous avez bien compris. Désinfecter, c'est un produit spécifique qui est utilisé et qu'on met en place, qu'on utilise pour désinfecter tout l'ensemble. Pourquoi? Pour que demain matin, quand vous allez retrouver votre bus, il soit propre et désinfecté. C'est important. Ce qu'on veut ce soir, c'est vous faire passer le message, c'est que revenez, nous voir, ayez confiance, nos bus sont propres, ils sont sains et on vous accueille avec grand plaisir. Chers amis, ce soir nous sommes en plus avec Monsieur Launay, qui est le vice-président de la mobilité, qui a un petit mot à nous dire justement sur ce fameux Covid et la sécurité. Bonsoir Monsieur Launay. Bonsoir. Alors donc, qu'est-ce qu'on parle au niveau de la sécurité? Vous venez contrôler un petit peu, voir ce qu'est... Non, on ne va pas dire que c'est un contrôle, c'était un souhait de voir comment se passait la désinfection suite à, après une journée de transport. C'était un souhait que j'avais vu avec le monsieur Morvillez et je souhaitais voir comment se passait la désaffection des bus pour montrer que les élus sont sur le terrain et que dans cette période-là, il faut être présent auprès des personnes qui nettoient, auprès des chauffeurs et auprès des passagers. Voilà, c'est très important. Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie, c'est très important et on a vu tout à l'heure que les employés étaient très actifs au nettoyage et je vous confirme bien, c'est bien désinfecté. Donc on peut voyager en toute sécurité, tout où on met les mains, il n'y a pas de souci. On voit que la sécurité, là il y a du plexiglas, il y a du produit dans les cars, donc ça c'est de la sécurité. Donc on peut voyager dans les bus, autobus sans problème. Merci beaucoup, bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci.